Salut les amis et bienvenue pour un compte rendu de tous les achats que j'ai fait à Micromania parce qu'il y a eu une opération Micromania, c'était 1 égale 4. Donc vous en achetiez un et vous avez en gros 4 quoi. Et en fait en gros ça vous revient à 2,50€ le jeu. Hein. En fait c'est 10€, quasiment 10€ le tout. Hein. De toute façon les jeux que j'ai pris, ils sont tous à 9,99€. Alors ce que j'ai pris dans ces lots là que vous allez voir, c'est quasiment que du Micromania. Il y a peut-être, je crois, peut-être un cache que j'ai fait, c'est sûr. Il y a un cache, peut-être deux, je sais plus. En tout cas, le trois quarts, c'est Micromania. Donc, c'était l'opération 1 égale 4. Donc, on va commencer. C'est que du PS3. Hein. Et sachant qu'en plus, j'ai un petit bonus que j'ai eu grâce à Lightning. J'ai eu deux petits jeux que je ne possédais pas. Enfin, après, j'ai réussi à en trouver un aussi parce que je l'ai trouvé dans un lot. J'ai trouvé dans un truc à la Micromania. Du coup, j'avais oublié qu'il devait me faire un échange. Mais bon, c'est pas grave. Je peux le revendre, c'est pas un problème. C'est pas un jeu de merde, donc ça va. Donc, on va commencer. Il y a un peu de tout. Il y a du jeu de merde, il y a du jeu bien, il y a du jeu plus ou moyen bien, il y a du bon petit jeu. Donc, vous allez voir tout de suite. Allez, c'est parti. On commence par le Battlefield Hardline. Alors, je savais plus s'il l'avait. Donc, du coup, c'est sûr que je l'ai pas celui-là. Ah, il y en a peut-être 2-3 que j'ai en double, donc c'est pas très grave. Du coup, que j'ai déjà dans la collection parce que je savais pas si c'était. Vous savez, des fois il y a des versions avec les DLC, tout ça. Donc il y en a où j'ai eu des doutes, donc du coup, je les ai pris et en fait, je les avais déjà. Donc on commence par le Battlefield Hardline sur PlayStation 3, toujours, parce que ça, c'est que du PS3. Hein. Donc on a les petits codes, on a le CD, il est tout propre. Hein. De toute façon, c'est du Micromania, généralement, les CD, quand ils les reprennent, ils sont propres. Alors celui-là, il est en multilingue, donc il y a le français et le néerlandais. Et c'est le numéro 2039. Oui, pas très bien. Je ne sais pas comment je vais mettre les jeux, je vais mettre là pour pas que ça se casse la gueule. Voilà, un des jeux que j'avais déjà parce que je pensais, vous voyez, il y a un DLC par exemple dans celui-là. Parce qu'il y a une version Call of Duty Advanced Warfare sans le DLC et avec le DLC. Et moi, celui que j'ai, eh ben, c'est les mêmes. C'est le même, c'est tous les deux avec le DLC. Donc celui-là, je l'ai déjà. Ça m'étonnerait que quelqu'un soit intéressé pour faire un échange, mais au cas où, si vous êtes intéressé, vous me le dites et on fera un échange contre un jeu PS3 que j'ai pas. Genre le FIFA 17, ça me conviendrait très bien. Donc c'est le Call of Duty Advanced Warfare Day Zero Edition, vous voyez, que j'ai acheté Micromania, j'ai essayé de retirer les étiquettes parce que c'est de la merde dans ce truc. Donc c'est l'édition, vous voyez, c'est inclus exosquelette personnalisé en bonus. Donc c'est l'édition Day Zero Edition. Donc c'est en français, j'imagine, fusil d'assaut. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses écrites en français d'ailleurs. Hein. Les squelettes en cuir. En cuivre. Ah, c'est bien pour les Roumains ça, en cuir. Les Roumains ils vont les plier. Donc voilà, bon, il manque la notice. L'autre, je l'ai complet, donc ce n'est pas très grave. Je peux à la limite récupérer la boîte parce qu'elle est en super bon état. Donc c'est le Call of Duty Advanced Warfare Day Zero Edition. C'est le numéro 2077. Comme Cyberpunk. On continue. C'est un jeu de départ. C'est assez rare. Mais j'en trouve quand même. C'est des Madden NFL 2012, donc le 12. Vous voyez, il y a même le petit logo NFL, donc ça va, c'est bien, ça prouve bien que la boîte c'est bien officielle. Du coup, celui-là, il est complet. Hein, EA Sports, bon, Electronic Arts avait pour habitude à la fin de faire des petites notices merdiques. Donc on a un petit code, hop, je vais pas vous faire montrer parce que bon, vous comprenez. Hein. Il y a le CD, il est super propre. Bon, la boîte est un peu à nettoyer parce que vous voyez, c'est des trucs Micromania. Hein, ils ont noté les premières lettres pour ranger en ordre alphabétique. Du coup, le jeu est en français et c'est le numéro 1320. On passe au suivant. Alors, celui-là, je l'avais déjà, mais je n'avais pas en français. C'est le Hitman Absolution. Je l'avais pas en français du tout. La boîte, elle est quand même assez propre au niveau du plastique. Là, par contre, c'est assez nettoyé. Donc, c'est le Hitman Absolution. Il est complet et il est surtout en français. C'est ça que je voulais. Moi, celui que j'avais, il en était pourri. Et en plus, il n'était pas en français. Vous voyez, il est en français. Combien prendrez-vous de vie pour en sauver une? C'est le numéro 1403. Non, c'était peut-être le même. On continue avec le Pure. Alors, ça, c'est pareil, c'est que des trucs là, Micromania. Bon, je crois que je vais vous montrer. Après, c'est dans le désordre. Hein. Je reconnaîtrai quand je vous le ferai montrer. Donc, ça, c'est Pure. Bon, vous voyez, il y avait une étiquette Fnac, mais je l'ai acheté à Micromania. Hein. Parce qu'il y avait un flac quasiment plus que le jeu PlayStation. Il est complet, il y a la notice, il y a le CD. Le CD, ben, il est nickel. Alors, pour vérifier si c'est bien le bon numéro, vous voyez, là, il y a un hashtag.
Donc ça veut dire que ça doit être une édition un peu spéciale. S'il y a un hashtag ici, voyez, je sais pas si on verra bien. Il y a un petit hashtag, mais normalement ça veut dire que c'est une édition spéciale. Donc c'est pas avec la bonne boîte celui-là normalement. Celui-là, c'est pas la bonne boîte. Donc c'était fait, je savais même pas que c'était fait par Disney ça. Le jeu est en français, il est marqué Envole-toi. C'est un multilingue, hein. Ouais, non, c'est juste en, au niveau de la jaquette, c'est que en français, donc c'est bien. C'est le numéro 327, donc celui-là, on n'aura pas le droit au trophée, je pense pas. Hein. Bon, un classique, là, c'est j'en ai très peu d'ailleurs, j'en ai très peu de Platinum, mais c'est un jeu Platinum, donc du coup. Et c'est un jeu Platinum, donc un label Platinum, j'en ai pris que deux, je crois, il me semble. Donc c'est le Call of Duty 4 Modern Warfare, un bon jeu. Malheureusement il manque la notice, mais c'est bien le bon CD parce que vous voyez, on le repère parce qu'il est entouré de gris et de jaune, comme sa jaquette, gris et jaune. Donc c'est bien le bon CD qui va dedans, c'est bien le Call of Duty 4 Modern Warfare, et il est bien en français, vous voyez, il est marqué le meilleur FPS de tous les temps. Alors par contre, je peux prendre une notice classique de Call of Duty Modern Warfare, ça se trouvera pour un bal, ça en banquant c'est pas un problème. C'est le numéro 154. P pour Platinum. Je le rappelle que le P c'est pour Platinum. Un autre jeu, celui-là il n'y a pas la jaquette. Vous voyez, c'est marqué Quantum Theory. Donc ce n'est pas des jeux communs, mais au moins il y a le mérite d'avoir la notice. Et le jeu, du coup, il manquera juste la jaquette. Donc il est possible que je la trouve, ou si Lightning le trouve, ou Minute Game le trouve, ou voir Alex Gaming le trouve aussi. Je pourrais faire un échange avec eux. Ou alors que moi-même je le trouve aussi. Hein. Ça pourrait m'arriver de le trouver en brocante. Malheureusement, il n'y a pas de jaquette, c'est le Quantum Theory. Et celui-là, c'est le numéro 868. Donc celui-là, ouais, il y aura les trophées, normalement. Vous voyez, c'est des trucs Micromania, c'est de la merde, c'est dégueulasse. En plus, c'est même pas une boîte officielle, vous voyez. Voyez. Ça, c'est fait. On passe au suivant. Alors là, c'est une variante que j'ai pas. Mais que j'ai pas. C'est le FIFA 12. Je pense qu'il devait y avoir un fourreau. Mais bon, il n'était pas là. Il est marqué votre jeu FIFA 12 aux couleurs de votre club. Ah oui, donc il doit y en avoir un paquet de FIFA 12 alors. Donc ça c'est le club marseillais, c'est version FIFA 2012, donc du club marseillais. Bon, normalement, vu que je suis de Paris, normalement je devais prendre les couleurs de Paris. Mais comme je fouais le full set jeu PlayStation 3, donc du coup, même les variantes, je suis obligé de les prendre. Donc là j'ai l'équipe de Marseille. Vous voyez, il n'y a pas de fond derrière, donc ça voudrait dire qu'il aurait dû avoir soit un post-it ou soit un four qui doit aller avec. Bon, il est un peu sale, mais sinon la boîte est propre. Il y a le CD, il y a les notices, les petites pubs, les petits DLC, tout ça. C'est le numéro 1381. On sait pas les jeux ouf. Hein. Là, je continue avec les jeux où il n'y a pas de jaquette. C'est le Dragon Age 2, toujours sur PS3. Là c'est une boîte officielle, ça c'est bien. On aura plus que la quête et notice, parce que c'est qu'il n'y a pas le jeu. Il n'y a pas la notice dedans, mais il y a au moins le jeu. C'est le numéro 1084. Donc celui-là, finalement, il devrait y avoir les trophées. Celui-là, je le possède sur Xbox 360. Bon, je préfère l'avoir sur PS3, c'est quand même plus agréable. On passe au suivant. Celui-là, je l'avais déjà. Mais bon, comme il fallait choisir 4 jeux, bah, du coup, je l'ai choisi celui-là. Comme ça, celui-là, je pourrais le revendre. C'est le Lost Planet 2. Et il est complet, donc j'ai vérifié avec les miens pour voir s'il n'y avait pas une variante tout ça. Non, il n'y a pas de variante pour l'instant. Et la notice est bien épaisse, hein. Elle est massacre la notice. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est quand même bien épaisse. Il y a la notice, il y a le CD. Ouais, il est propre. Donc ça partira à l'échange ou à la vente. Je pense que je ne vais pas échanger avec beaucoup de gens. Mais au moins ça partira à la vente, ça me remboursera un peu. Ça permettra d'acheter un autre jeu PS3. Donc ça permettra de financer un jeu PS3. Il y a un français et c'est le numéro 710. Donc celui-là, il devrait peut-être y avoir les trophées. Un autre que j'avais déjà, mais celui-là, le mien n'était pas complet. Du coup, celui-là, il est complet et il est propre en plus parce que la jaquette que j'avais récupérée était dégueulasse. Et il manque une notice, du coup, bah, c'est le Saints Row 2 et il est complet et il est en français. Vous voyez, c'est l'enfer des gangs. N'a pas de limite. D'ailleurs, il y a la version Saints Row qui est sortie récemment sur PS5, c'est pour ceux qui s'intéressent. C'est le numéro 373. C'est un GTA-like. Très bon jeu. C'est une parodie, encore plus. C'est une parodie de la GTA, quoi, en gros. Un que j'ai déjà, mais pas dans cette version-là, c'est le Far Cry 3.
voyez, c'est une édition The Lost Expedition Edition. Alors j'ai la version classique, j'ai la version, vous verrez tout à l'heure, et j'ai cette version là. Donc c'est une version où il y a deux missions exclusives. Il est complet, bon le petit code il est derrière, mais je vous le montre pas, hein, bien sûr, pour des raisons vous savez. Il est propre. Bon, ça change pas grand chose, j'ai juste qu'à ça en plus, mais au moins, et puis il y a la tête du mec. Il y a le mec de. Je crois que c'est le mec de Far Cry 2, je crois, non, il me semble. C'est numéro 1137. Donc celui-là, on aura les trophées. Et du coup, j'ai, je pense, toutes les variantes pour la version Far Cry européenne. Celui-là, je l'avais eu à l'époque, mais je l'avais revendu. Du coup, je l'ai récupéré parce que maintenant je fais le full set PS3. Celui-là m'a jamais trop intéressé. C'est le browser Inarm El Higway. Vous voyez, il y a encore le truc Microvania, c'est super chiant, ça a du mal à se coller ceux-là. Certains se décollent vite, d'autres, c'est, je sais pas, je comprends pas leur truc. Alors, c'est le browser Inarm Els Higway. Donc, il y a la notice, il y a le jeu, et il est en français. Alors, j'ai quelques jeux qui sont en anglais, malheureusement, hein, j'ai, au niveau de la jaquette. Hein. C'est le numéro 318, donc celui-là, je pense pas qu'il y aura des trophées. Au suivant. Toujours à Micromania, tout ça c'est que du Micromania pour l'instant. Donc 2,50€ le jeu. C'est le Time Crisis 4, fait par Namcom. On dédicace au Namco Show, parce que lui il est fan des produits des jeux Namco. Il est complet, bon, ça c'est bien. Il est pas commun, je vois, c'est la première fois que je le voyais, donc du coup bah, je l'ai récupéré parce que je connais très bien Time Crisis. Mais sur PS3 je le connaissais pas. Du coup, bah, je l'ai récupéré, c'est le Time Crisis 4, il est en français, comme vous pouvez le constater, et c'est le numéro 57. Donc il est marqué, il est peut-être vendu séparément, donc c'est une version avec un bundle. Ça c'est le numéro 57, donc forcément, bah, il y a très peu de chances qu'il y ait des trophées. Donc à voir, peut-être qu'ils y sont. Alors ça je vous fais montrer à la fin, parce que c'est un cadeau de quelqu'un que vous connaissez sur YouTube. Donc là, je vous fais montrer à la fin. Alors ça, on continue les achats Micromania. Donc j'ai récupéré le Blade of Time. Donc celui-là pareil, je ne le connaissais pas du tout. Ça me donne envie quand je vois les images. Déjà une belle fille, déjà ça donne envie d'y jouer. C'est fait par Konami. Et rien qu'à voir l'image, ça donne envie d'y jouer. Donc je suis curieux de savoir ce que c'est, je ne le connais pas. Hein. Donc c'est les Blade of Time. Donc j'ai hâte de savoir ce que c'est. Le CD, je vois, il y a une couleur bizarre. Bon, pas très grave. C'est un CD officiel de toute façon. Et il est même pas rayé. Et il est en français. Faites la connaissance d'Ayumi et lancez-vous dans une aventure, coupez le souffle. Moi je suis curieux de savoir ce que c'est. Un jour, s'il y a PlayStation 5 qui font une rétrocompatibilité avec les jeux PS3, je le ferai bien en live ça. Parce que j'ai pas la carte d'acquisition pour pouvoir vous faire montrer des let's play. Du coup, c'est le Bless 1395, donc du coup, il y aura les trophées sur celui-là. De toute façon, c'est simple. Généralement, quand vous voyez que c'est noir, qu'il y a la bande noire au-dessus, c'est qu'il y a forte chance qu'il ait les trophées. Et vous voyez rouge généralement, c'est pas bon signe. Un jeu que j'ai sur PS4 mais que j'avais pas sur PS3, c'est le Rage. Alors il y a deux éditions de celui-là, il y a l'édition normale et là c'est l'édition Anarchy Edition. Donc c'est l'édition Anarchy Edition par le créateur de Doom et de Quake. Donc ça c'est un très bon petit jeu, Mad Max. Il est complet, il y a une notice. Alors je sais pas si c'est le bon CD qui va dedans, mais je suppose que oui, c'est le 1378, on va regarder. 1378, ouais c'est bon. Il y a la notice, il y a les petits codes, ouais je vais pas vous faire montrer pour des raisons que vous savez. Et le jeu est en français, donc ça c'est bien. C'est le numéro 1378, donc il y aura le trophée. Là par contre, je vais faire montrer un jeu, mais il est dans un mauvais état au niveau de la jaquette, c'est dommage. Enfin que je nettoie la boîte par contre aussi. C'est le Borderlands The Pre-Sequel, je vais dire Prequel. The Pre-Sequel, c'est assez compliqué à dire. Vous voyez, il est déchiré ici. C'est dommage. Donc ça, c'est pas très grave. Je le trouverai un jour ou l'autre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a posé un verre dessus. Hein. Et il y a une trace. Un café ou je sais pas. Oh, c'est dégueulasse. Donc malheureusement, la jaquette, je sais pas pourquoi, elle est déchirée. Mais bon, comme j'ai fait que je prenne 4 jeux et puis j'avais pas grand chose. Puis Borderlands, moi j'adore. Du coup, j'ai jamais essayé le Pre-Sequel. Bah, c'est l'occasion. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a deux notices. Alors, est-ce que c'est une notice en français et une notice en anglais? Je sais pas. À voir. Donc, le CD est présent, la jaquette est à changer. Donc, dès que je trouverai la jaquette, sans doute en brocante, c'est pas un problème. Des fois, je peux le trouver en loose. Donc, ou alors, si Lightning le trouve, bah, on pourra faire un échange. C'est le Borderlands
The Prequel. Donc c'est le numéro 2058. Donc celui-là, forte chance qu'il est trop fait. Bon, là c'est parti pour les jeux de merde. Hein. Bon, il y en a qu'un seul de toute façon, il n'est même pas sorti en platinium ni en essentiel. C'est le X-Factor. Je me suis un petit peu renseigné sur les jeux qui étaient sortis en platinum et en. Comment ça s'appelle, en essentiel. De toute façon, l'essentiel, c'est ce qui a remplacé le platinum. Hein. Pour ceux qui ne savent pas. Bon, bah voilà, hein, c'est un jeu somme toute classique. Hein. C'est un jeu qui se joue normalement avec les micros que je n'ai pas, que je ne possède pas. Bon, que je trouverai peut-être sans doute un jour ou l'autre sur mon compte. Alors, il est en français. Et c'est numéro 1253 et il y aura forcément les trophées puisque il y a le bordure noire, donc il y a de fortes chances. Encore un jeu pas terrible, hein, un jeu de merde, hein, on va dire ça. C'est mon coach personnel, Club Fitness. Donc on a équilibre, abdos, fessiers, stretching, remise en forme, kickboxing, cardio. Bon, c'est un jeu classique, hein, mais si ça se trouve, peut-être que ces petites perles-là, plus tard, ils vont cher. Hein. Donc là, vous verrez toujours, de toute façon. Vous verrez toujours, les CD, ils sont toujours en anglais. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Si vous les voyez en anglais, c'est parce qu'ils ne se sont pas fait chier. Ils vont pas le faire dans toutes les langues, ça leur coûterait trop cher. Imprimer hein. À chaque fois un CD par pays, ça serait trop long. Donc voilà, le CD, il est propre. La boîte est nickel. Hein. De toute façon, ça a dû être très peu joué, à mon avis. Peut-être une fois ou deux maximum. Je me demande s'il y a des trophées pour ces jeux-là. Je pense que oui, mais chacun devant la gueule des trophées. Donc il y a la caméra et le PlayStation Move qui nécessite. On voit ça. Je les ai deux, donc la caméra je l'ai et la PlayStation Move je l'ai. Donc le jeu est en français, la jaquette est en français et c'est le numéro 1191 et je sais pas si j'ai trouvé pour ça. Bon, on continue avec les jeux de merde, mais bon, il faut les posséder hein, si on veut un full set. C'est Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014. Bon, c'est vrai que la jaquette est belle, hein, par contre, on doit dire ça. On peut dire ce qu'on veut, la jaquette est belle. Là, on a encore le collant là, de Micromania, c'est dégueulasse. On a notice, hein, les notices Micromania. C'est notice Electronic Arts, je veux dire. Donc vous voyez, c'est 3-4 pages maximum. Bon, il y a le CD, il y a la notice. Et le jeu est forcément en français. Et triomphez votre pays lors de la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014. C'est le numéro 1994. Enfin, que des 4. Bonne année 94 aussi. Oula, ça va se casser la gueule là. Oula. Parce que c'est la gueule. Ah là on arrive, bon, il y aura d'autres jeux de merde, mais là on arrive sur un bon jeu. C'est le Alien vs Predator. Il me semble que je ne le possédais pas. Je le possédais à l'époque, mais j'ai dû le revendre. Ou alors c'est peut-être sur la PS4. Je sais pas, j'ai peut-être dû le mettre sur la PS4, je sais plus. Ça me dit quelque chose. Il n'est pas complet, mais au moins il y a le CD. Le CD, ah il y a une empreinte, c'est dégueulasse. Oh, c'est pas une empreinte ça, c'est une tache. Enfin bref, je ne pas savoir ce que c'est. J'ai pas envie de savoir, sans doute mal du jus d'alien. Je sais pas savoir, bon, enfin bref. Le jeu est en français, chasser ou être chassé. Bon, on peut incarner humain, alien et prédateur, il me semble, un truc comme ça. Ça, enfin bref, prédateur, alien et marine. Donc c'est le Alien versus Predator et c'est le numéro 585, donc celui-là, on aura les trophées. On continue avec là, c'est pas des jeux de ouf pour moi. Bon, celui-là, je sais qu'il est en anglais au niveau de la jaquette. C'est le EA Sports MMA 035, 0 blabla, MMA. Donc voilà, c'est en anglais, vous voyez, comme je vous l'ai dit, je me rappelle très bien que c'est en anglais. Il est complet, bon. Il est propre aussi, ça c'est pas des jeux qui vont être très très rayés. C'est un jeu de box style, hein, un box, voilà, c'est pas mon délire, c'est les jeux MMA, je connais pas grand chose. Un jeu essentiel, ah enfin, un Battlefield 3. Bon, malheureusement, il manque la notice et c'est pas le bon CD. Ah non, il y a une notice, pardon, excusez-moi, j'ai une connerie. C'est que le CD est pas bon. Vous voyez, normalement, il devrait y avoir une bordure rouge autour. Donc, c'est pas le bon CD, ils se sont trompés à Micromania, je pense. Du coup, il faudra que j'y retourne. Peut-être à Micromania Valois. Celui-là, c'est normalement, c'est Micromania Valois. Il faudra que j'y retourne pour qu'il me change le CD. Ouais, bon, j'ai peut-être le trouver un record dans le dire. Meilleur jeu d'action et meilleur jeu multijoueur en ligne. Donc, il est en français, forcément. Il y a notice, bon, il y a le jeu quand même. C'est pas le bon CD. C'est le 1275E pour essentiel. On passe au suivant. J'en ai pas du tout de cela. C'est le Hunter's Trophy. Donc il est en super bon état. Juste une poussière là. Excusez-moi, je vais le OK. Et il est complet. Il y a une notice. Bon, je pense que le CD il est nickel. Pareil, c'est ça. En fait, c'est des jeux qui sont très peu servis. Hein. Il est en multilangue. Là, on voit qu'il y a l'anglais, il y a le français, il y a toutes les langues, quoi, ainsi de suite.
Il y a une étiquette là, qu'il faut que j'en tire en dessous. Bon, c'est un petit jeu de chasse. On dirait, ça fait penser à Far Cry. Ça pourrait être ça. C'est le numéro 1217. Donc celui-là, il y aura les trophées. Là, un classique, enfin que je rentre. Le Final Fantasy XIII. Je l'avais déjà, mais il manquait la jaquette. Donc du coup, bah là, je le rentre complet. Et je crois que j'ai même pas la notice, il me semble. Il y avait un code, mais on s'en fout. Et nickel. C'est le Final Fantasy XIII. Et il est en français. Et c'est le numéro 783. Donc celui-là est en France qui est trophée. Alors je crois que celui-là, il me semble ça. C'est le Guitar Heroes Warrior of Rock. Mais sauf que bah, il n'y a pas le CD dedans. Donc le compagnie, elle n'avait pas trouvé le CD. Le mec, il l'avait pas trouvé. J'ai demandé si je pouvais garder la boîte. Il m'a dit oui. Donc je l'ai eu gratuitement. C'est la boîte du Guitar Heroes Warrior of Rock. Peut-être que je l'ai trouvé en brocante. Je crois qu'il n'est pas en français au niveau de la jaquette. Bon, au pire, ça servira pour la boîte. Hein. Si je ne le trouve pas, la boîte fera largement l'affaire. De toute façon, je l'ai eu gratuitement. On continue avec des bons jeux, classiques. C'est le Final Fantasy XIII. Je ne sais plus comment on dit 13, j'allais dire en anglais. J'allais dire le chiffre, mais je ne sais plus comment on dit 13 en anglais. En fait, c'est le Final Fantasy XIII. Non. Final Fantasy XIII-2, pardon. Donc, il est complet. Je voulais le dire en anglais, le 13, mais comme je ne sais plus comment c'est en anglais, donc du coup, je ne vais pas dire de conneries. Donc, le CD, il est en bon état. Il y a la notice. Et il est en français. Ah, ça fait partie d'un bundle, parce que je n'ai pas été vendu séparément, donc ça devait être dans un bundle. L'autre, comme l'autre Final Fantasy, je crois aussi. Non, c'est une connerie. Donc, c'est le Final Fantasy XIII-2. C'est le numéro 1269, donc celui-là, on aura les trophées. Et normalement, je crois que au niveau des 13, les Final Fantasy 13, je les ai tous. Ah non, il manque les Platinum, pardon. Je me connais. Encore un autre jeu essentiel, le Far Cry 3. J'en avais parlé tout à l'heure, je vous ai fait montrer le Far Cry. Bon, le Far Cry, c'est normal. Je vous ai fait montrer le Far Cry avec les DLC. Ben là, c'est le Far Cry avec les en édition essentielle. Donc du coup, je pense que j'ai tous les Far Cry 3. Sur la PS3, il est juste un peu sale. Là, on voit qu'il a été un peu nettoyé. Il est complet. Il y a une notice. Au pire, j'aurais pu trouver une notice dans un autre Far Cry parce que j'en ai plein de Far Cry 3. Il est en français, ça c'est bien. Et c'est numéro 1137E. Ça, je vous le montrerai après. J'ai récupéré le Battlefield 4. Alors il y a deux étiquettes, donc ça doit être en multilangue ça. Alors je l'avais pas celui-là au final. Donc du coup, bah, j'étais content parce que je l'avais pas, Battlefield 4. Donc il est complet et il est en multilangue celui-là. Donc il y a plusieurs langues. On est à Battlefield, donc seulement dans Battlefield. Donc c'est le numéro 1832, donc on aura les trophées. Donc ça, ça je l'avais déjà. Alors je vous le dirai tout à l'heure. En fait, Lightning, j'ai fait un échange avec Lightning, et du coup, on a échangé ce jeu. Mais comme il n'y avait pas grand-chose à choisir au niveau des trucs, des offres micromaniales, donc du coup, je l'ai quand même pris. Au pire, je le revendrai, donc c'est pas très grave. Et après, je vous ferai montrer ce que m'a offert Lightning, justement. Ce qu'on a fait comme échange avec Lightning. Du coup, j'ai récupéré ce God of War qui partira à la vente ou à l'échange. J'irai directement à cash ou le vendre sur Vinted, on verra bien. Donc c'est le God of War Ascension, il est en français et c'est le numéro 1741. Ça c'est ailleurs. Ah oui, ça j'ai récupéré ça dans les poubelles. Bon, pourquoi je l'ai récupéré dans les poubelles? Parce que le CD, vous voyez la boîte déjà elle est en mauvais état. Et le CD est en très mauvais état aussi. Hein. Il y a plein de rayures dessus. C'est le Sonic et Sega All-Star Racing. Donc je pense qu'ils ont dû le jeter parce que le CD ne devait pas passer. Mais au moins, j'avais toujours la notice. Bon, après le CD, si je le fais resurfacer, ça pourra peut-être marcher. Par contre, la jaquette a changé. Hein. C'est le Sonic et Sega All-Star Racing. Donc, ça fait plaisir, ça je le rentre. C'est gratuit de trouver dans les poubelles. Donc il est en français. C'est le numéro 750. Et je l'avais pas dans ma collection. Donc ça, c'est rien à voir avec Micromania. Là, ça vous fait montrer après parce que je sais que c'est dans un cache. Donc là, par contre, maintenant, c'est toujours Micromania. Donc toujours 2,50€. C'est le Crysis 3 que je ne possédais pas.
Donc normalement, je crois qu'il y a une édition, il me semble qu'il y a une édition pour celui-là, il doit être en essentiel, je pense. Et il doit y avoir une édition avec, vous savez, collector. Bon, je ne sais plus, à savoir. Il est complet. Bon, ça doit être, on dirait que c'est comme... Ouais, c'est ça, c'est Electronic Arts qui fait ça, parce que regardez la notice. Elle est toute pourrie, toute dégueulasse. Ça n'a pas fait chier, hein, Electronic Arts. Donc c'est le Crysis 3, c'est le numéro 1649. Et il est en français. On continue toujours sur du Micromania. Tout ce que vous avez vu pour l'instant, c'est du Micromania. C'est le Little Big Planet. Je l'avais en édition promo. Bah maintenant, je rentre en édition normale. Avec la notice, avec le mec qui fait... Ouh, il y a une tête bizarre. Il est nickel, comme d'hab. Il est en français. Et c'est le numéro 141. Donc, il y a très peu de chances qu'il soit fait sur celui-là. Là, on commence à rentrer. Ouais, non, on va pas faire ça tout de suite. Ouais, on va faire le celui-là. Le seul jeu, le dernier jeu Platinum que j'ai récupéré, c'est le MotorStorm Pacific Rift. Donc, il est en édition Platinum. J'en avais récupéré à Call of Duty. Le deuxième, c'est celui-là, c'est qu'il n'y en a que deux. Il est complet. Il y a un autre truc, Score Game. C'est bien le bon CD. Ah non, c'est le mauvais CD, pardon. Non, j'ai dit une connerie. Parce que je voyais gris. Non, c'est pas le bon CD qui vient avec la boîte. Là. Non, ils se sont trompés à Micromania. Bon, après, c'est pas très grave. Je le trouverai forcément un jour ou l'autre. C'est le MotorStorm Pacific Rift. Bon, du moment qu'il y a le jeu dedans, en attendant, ça fait l'affaire. Il a été en français. Et c'est le numéro. Hop, 129P. C'est le dernier jeu Platinum que j'ai. Là, maintenant, on va commencer à rentrer sur des bons petits jeux, mais on va pas faire celui-là. Bah, celui-là, non, c'est pas parti du truc, ça, non. Je suis en train de. Attendez. Si. Ah, si, c'est la partie du truc, si. On va faire celui-là. Donc, pareil, j'ai cru que je l'avais pas, mais en final, je l'avais. C'est le Call of Duty Black Ops 3. Bon, bah, ça va partir à la revente, ou alors je garde la boîte et puis le jeu, bah, je l'offrirai à quelqu'un. La boîte est en super bon état, hein. Franchement nickel. Donc c'est le Call of Duty Black Ops 3, il est en français, c'est le numéro 2166, donc celui-là c'est sûr qu'il y aura des trophées. Donc on va continuer avec les jeux qui sont bof-bof, voilà ça, on peut faire ça, voilà. Alors les jeux bof-bof, hein, comme vous savez, c'est les SingStar, hein, les classiques, hein, mais on est obligé de passer par là pour, si on veut le full set. Au moins celui-là c'est terminé, c'est le SingStar plus SingStore, je sais pas comment on peut l'appeler. Bon, c'est tout simplement le SingStar. Donc il est complet, comme ça j'aurais pas à chercher une notice. Le CD, il est propre. Ça peut-être me dit quelque chose à lui. Je sais pas qui c'est, mais bon. C'est le numéro 31. Ah bah, c'est tout début de la console PS3. Donc il est en français aussi. On continue avec les jeux bof bof. Hein. C'est le Guitar Heroes 5. Qui d'ailleurs, il est en multilingue déjà, ça c'est sûr. Bah, non, il est en français et en anglais. C'est le Guitar Hero 5, inclut 85 chansons. Vous avez vu qu'il y a des belles chansons d'ailleurs. La notice est bien épaisse. Le CD, ben, il est nickel. Enfin, forcément. Et il y a quand même des bons titres. Hein. Lynx, Bon Jovi, bon, Muse, Nirvana. Ben, on a déjà du Nirvana, on a du Queen. Déjà, ça c'est des bons titres. Hein. Bon, le jeu est en français et en anglais. Et c'est le numéro 576. Donc je sais pas s'il y aura les trophées dessus, je pense pas. Hein. On continue sur les SingStar. Celui-là c'est le SingStar Hits 2. Bon, avec toujours plus SingStar. Donc un des trucs qu'on peut acheter sur PlayStation Store, je pense. Hop, il est nickel. Il est complet. Il est en français. Et c'est le numéro 346. Donc je pense pas qu'il y ait de trophées non plus là-dessus. Donc je sais pas combien il y a de SingStar sur PS3. Bon, en tout cas j'en ai déjà deux. On continue avec un jeu qui est pas commun, que je vois pas souvent. Ça doit être un jeu un peu sexy. C'est un jeu à jouer avec une copine, je pense. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. C'est Petit Flirt entre amis. Bon, ils ont dû mettre entre parenthèses le E. Hein. Ils ont oublié le. Bon, entre amis. Ça veut dire que c'est que des mecs, hein, parce qu'il n'y a pas le E. Hein. Il y a marqué quoi ? Approuvé par Cupidon. Ah bah ça, c'est approuvé par Cupidon. Donc, c'est complet. Il y a le jeu. Vous voyez, en anglais, c'est We Dare Flirty Fun For All. Et ils sont pas chiés pour traduire en français les CD. Hein. C'est pour ça qu'ils sont en anglais, hein, la plupart. Mais il y en a qui sont traduits quand même en français. Hein. On en trouvera quelques-uns. Donc, il est en français. C'est le numéro 1215. Ça fait partie des jeux bof bof, quoi. Bon, là, c'est pas un jeu oufissime,
c'est pareil, c'est fait partie du jeu Bof Bof. C'est le iPad Move Edition, donc avec la caméra et puis la PlayStation Move pour y jouer. Il est complet, il est en français, et c'est le numéro 864, donc oui, il y a sans doute le trophée. On continue, là, il en reste presque plus. Et là, on commence, ouais, ça, c'est, là c'est des bons jeux. Quoique au niveau du, comment ça s'appelle, du cash, il y a des jeux pourris. Hein. Donc là, ouais, on rentre sur que des bons petits jeux. Alors là, c'est parti. Le Blaze Blue Continuum Shift Extend. Donc je l'avais récupéré à Micromania, mais il n'y avait pas la jaquette. Donc là, du coup, il y avait la jaquette, le CD et la notice. L'autre, il partira à l'échange. Je ferai peut-être une photocopie de cette jaquette pour pouvoir la mettre dans l'autre, comme ça, pour l'échange. Ça sera peut-être plus intéressant pour la personne qui le voudrait. Donc il est en français. C'est le Blaze Blue Continuum Shift Extended et c'est le numéro 1487. Donc il y aura forcément un trophée. Donc ça, c'est quand même un bon petit jeu. Là aussi, c'est un bon petit jeu puisque c'est le Devil May Cry 4. Ça veut le dire en anglais, le 4, le 4 quoi. Il est complet. Il y a une petite notice. Il y a le CD. Alors je pense que celui-là doit exister en édition essentielle, je pense. Pas Platinum. À moins qu'il n'y ait pas, hein. Ça se trouve peut-être qu'il n'y ait pas. Le jeu est en français, c'est le numéro 186. Ouais, ça sera plus du Platinum. 186, ouais, c'est du Platinum. Si, il est sorti en Platinum. Hein. Et on continue toujours sur des bons petits jeux. Alors ça, c'était Lightning. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça c'était Lightning. Là, c'était Lightning. Là, c'est qu'on va continuer avec Micromania. Donc regardez ça. Ah ouais, ça, c'est pas commun ça. From Mission Evolved. Evolved. Pardon. Il a écrit en japonais aussi, là, ici. Donc c'est le From Mission Evolved. Il est complet avec la petite notice. C'est pas des jeux communs, ça. C'est fait par Square Enix. Il est en français, donc ça c'est super agréable. Et c'est numéro 788, donc ouais, il y a de fortes chances qu'il y ait trophée. Donc ça doit être à partir des 700 qu'il commence à y avoir les trophées. On continue avec des bons petits jeux, on va faire celui-là, tiens. Le Dead Space, le Dead Island. Alors je l'ai en édition essentielle celui-là. Et là c'est l'édition Black Label. Donc le First Label, comme on peut dire. Je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, c'est le Black Label ou alors le First Label. Il est complet. Il y a la notice, il y a le CD. Le CD, bon bah il est propre. Moi je l'ai en édition essentielle, mais je crois que le CD c'était pas le bon, il me semble. C'était l'édition comme ça, c'était pas l'édition rouge. Donc c'est toujours pas. C'est Dead Island. Il est en français et en anglais, il est en double langue, et c'est numéro 749. Toujours un bon jeu. On a le Ace Combat Ace Horizon, donc un jeu qui est pas commun, que je connaissais pas du tout, jamais vu. Il est complet, toujours récupéré à Micromania, avec l'opération 1 égale 4. Donc il est en super bon état, j'imagine. Ouais, juste une petite trace au CD, à nettoyer. Il est en français et c'est le numéro 1392. Donc celui-là, on aura, comment ça s'appelle, on aura les trophées. On continue avec les bons jeux. Le Armored Core 4 Answer. C'est dur à dire. Hein. Donc c'est un jeu de méca. Il est complet. Il y a la notice. Il y a le CD. Il est en français. Une contre-attaque colossale. C'est le numéro 370. Je crois pas qu'il y ait trophée. Encore dans les bons jeux, le Ninja Gaiden 3, édition PlayStation Move Edition. Il y a le CD, il y a le TIS. Vous voyez, on peut même faire des origami. Je vous explique comment faire des origami. Il y a le CD, il est en bon état. Ouais, nickel. Hop, je vais en mettre dedans. Et il est en français. Et c'est numéro 1524. Donc celui-là, il doit être en essentiel. S'il est sorti, en essentiel. Là, je clôture les Lost Planet puisque j'ai récupéré le Lost Planet 3. Donc là, maintenant, j'ai le full set First Label de Lost Planet. Donc, il manquera peut-être les Platinum et les Essentiels, mais je pense pas qu'il est sorti en Platinum ni en Essentiel. Hein. C'est pas assez vendu pour être sorti en Platinum. Donc, il est complet, il est en français et c'est numéro 1685. Donc celui-là, ça sera plus peut-être du Essentiel, hein, s'il est sorti en Essentiel. Pareil, c'est pas du jeu commun. Je connaissais même pas. C'est la Armored Core 5 ou V ou 5. Hein. C'est soit en chiffre romain ou soit 5. Il est complet. Bon, voilà, il y a le CD. Il est en bon état. Il y a juste une tâche dessus. Et il est en français et c'est le numéro 1440. Donc il y aura les trophées. On continue. Voilà, tout s'est cassé la gueule. C'est pas très grave, ça m'a foutu les jetons.
Le Deed to Rights Retribution, fait par Namcom, c'est le numéro. Non, j'ai pas le lien, c'est complet, pas le numéro. C'est complet. C'est un français. Et c'est numéro 824, donc oui, on aura les trophées. Ça aussi. Et là maintenant, on va passer aux 4 jeux que j'ai récupérés à cash. On va commencer par les jeux de merde. Donc un Sing It édition Disney High School Musical 3. Nos années lycée. Bon, j'ai payé 50 centimes celui-là. Je sais, ça je me rappelle très bien. C'était celui qui se trouve Château 2, à Château d'Eau. Le cash express ou cash. Enfin bref, t'as compris quoi. C'est le Sing It Disney High School Musical 3. Nos années lycée. Vous voyez, c'est marqué Senior Year. Et c'est en français. Et c'est numéro 442. Donc ça, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas les trophées. Et même s'ils y sont. On continue avec le Disney Sing It, c'est avec l'édition Anna Montana et Camp Rock, donc c'est les chansons d'Anna Montana et Camp Rock. Je l'ai payé 50 centimes celui-là aussi, il est complet et il est en français et c'est le numéro 378. Hop, je vais mettre là. Et là on passe au jeu intéressant. Bon, celui-là est en anglais, c'est une édition essentielle, c'est le dernier jeu essentiel que j'ai, c'est le Sins Row The Third. The full package, donc vous voyez, c'est en anglais, malheureusement, j'ai pas fait gaffe. J'ai payé 2€ celui-là, il y a marqué une garantie nulle si enlevé ou endommagé. Bon, fou complètement. Donc il est complet, mais c'est bien bon CD. Bon, maintenant, faudra trouver une jaquette essentielle en français. Donc c'est le Saints Row et c'est le numéro, on a oublié de dire le numéro, c'est le numéro 1747E. Et le dernier jeu que j'ai pris à cash, c'est, que je connaissais pas du tout, c'est le Ride to the Hell, non, to Hell Retribution, qui est 1%, édition limitée, hein, inclus le DLC Cook's Mad Recipe. Je connais pas ce jeu du tout, mais je sais pas, il m'attire, il a l'air pas mal du tout, donc à tester, est-ce qu'il va être bien ou est-ce qu'il va être larguilique. Je ferai un crash test un jour de ce jeu, enfin, un test de ce jeu plutôt. Alors c'est un français et c'est le numéro 1581, donc on aura les trophées. Et voilà, ça c'est tout pour les jeux Cash et Micromania. Alors là je vais vous montrer les deux derniers jeux que j'ai eu, mais c'est grâce à Lightning parce que j'ai fait un échange, j'ai échangé quelques jeux de Game Boy. Bon, j'ai oublié une boîte, il m'avait donné une jaquette de Lego Jurassic World. Bon, peut-être que ça va me servir un jour ou l'autre, on sait jamais. Mais en tout cas il m'a donné deux jeux complets, ouais, avec l'échange hein, bien sûr. C'est le God of War Ascension. Donc vous l'avez vu précédemment dans ce que j'ai acheté à Micromania. Donc c'est pas grave, je l'ai en double. Il y en a un qui partira à l'échange et il y en a un qui partira, qui restera ici. Donc c'est celui de Lightning, vu que c'est lui qui me l'a échangé. Ça c'est celui de Lightning. Donc celui-là, je le garde. Par contre, s'il aurait été en mauvais état, bien sûr, j'aurais échangé quelques trucs pour que ça soit en meilleur état, bien sûr. Vous doutez bien. Et le dernier jeu qui m'a échangé, c'est un jeu qui est pas mal. C'est le Lego Indiana Jones 2, l'aventure continue en édition essentielle. Ah non, c'était pas le dernier essentiel, pardon, je me suis trompé. Là, c'est le dernier maintenant. Donc, il est complet, il y a le CD, il y a la notice, il y a le CD. Il est en français, bon, pas au niveau du CD, parce que, comme vous connaissez, c'est toujours en anglais au niveau du CD. Il est en français et c'est le numéro 763. Donc, il m'a donné ça, Lightning, en échange, en faisant un échange. Le God of War Ascension, il y a la boîte du Lego Lego Jurassic World et il m'a donné quelques petits trucs donc, en plus dans le colis. Donc normalement il a dû recevoir son colis aussi là. On l'a reçu quasiment en même temps. Donc il vous fera peut-être un compte rendu de ce que je lui ai envoyé. De toute façon on va continuer à faire des envois comme ça. Du coup voilà, vous avez pu voir la grosse vidéo. Donc vous faites le calcul hein. Des jeux que j'ai récupéré à Micromania et des 4 jeux que j'ai récupéré en cash. Vous calculez, c'est 2,50€ le jeu. Vous voyez, c'est une bonne affaire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de compte rendu Micromania et de petits cadeaux, un petit échange que j'ai fait avec Lightning. Donc vous pouvez voir sa chaîne sur YouTube, vous tapez Lightning et vous verrez, c'est à peu près la même chose que moi, c'est le même principe. C'est des vide-grenier live. Et puis des unboxing et des crash test, je crois qu'il en faut aussi. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous les amis. Ciao !